je me revois adolescente et d'une curiosité dévorante dans un avion militaire spartiate direction Léopoldville, Kinshasa. Ce livre, je l'ai dédié à mon père, qui était pilote de l'armée italienne et qui a vécu plusieurs années à Kinshasa. Moi, je venais de Rome, une ville petite à rapport à l'immensité d'un pays comme le Congo. Végétation, beauté des femmes, couleurs, animaux aussi. Bref, c'était un pays qui m'avait beaucoup marqué. C'était une des années plus excitantes de toute ma vie parce que pour la première fois, je vis une réalité inimaginable. Mais pourquoi encore? Parce qu'avec mon mari, Alfred, on a fait beaucoup de voyages en Afrique. Cet attachement d'un côté dû à une partie de mon adolescence à Kinshasa et les voyages que j'ai fait avec mon mari Alfredo, les photos qu'on a fait ensemble au Sénégal, au Mali, Burkina Faso, au Niger. J'ai sorti ces livres où je mélangeais les photos et puis ma biographie. Pourquoi vibration? Parce qu'on vibre en Afrique.